Bonsoir Arthur. Bonsoir. Alors ce soir tu étais confronté à un Thaïlandais très puissant, très physique. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu pour toi comment ça s'est passé? Ouais, là chaud comme ça c'est un peu difficile. Déjà il est en forme pour un gars qui est arrivé en France il n'y a que 5 jours. À mon avis il n'a pas trop senti le décalage, hein, franchement, parce qu'il avait le cardio, la condition et tout. Et ça a pêché dans le clinch, hein, je pense que c'est là où ça a fait la différence. En pied-point à distance, je me suis bien débrouillé. Il est ressorti bleu de partout, franchement je l'ai bien touché en coude et tout. Et le clinch, c'est mon gros défaut, donc face à un Thaï comme ça qui a 200 fights, top 15 du Raja, il faut être au top au clinch, sinon ça se passe comme ça quoi. Mais même sans ça, franchement, à un moment donné, on t'a vu justement t'énerver. Ouais. On a vraiment senti la puissance dans ton anglaise. Ouais. Donc justement, comment, dès que tu as vu que tu l'avais quand même un peu touché, qu'est-ce qui a fait que malheureusement la faille, tu l'as pas encore plus exploité? C'est un taille d'expérience, donc quand tu touches en anglaise, il t'accroche, il te clinche, il te met des genoux, ça t'épuise, ça t'enlève du jus. Tu retournes, il revient, il te raccroche, il te garde la distance, il chip, il bouge, il kick. Voilà, c'est un mec de stadium, il a l'expérience. Je pense que franchement j'ai essayé ce que je pouvais vraiment. Là j'ai tout donné, j'ai pas réussi. Je pense qu'il faut que je travaille le clinch, hein, de toute façon c'est en Thaïlande c'est ça. Mais en tout cas il repartira pas sans égratignure, hein, tu l'as bien amoché quand même, hein. Il a fait pour sa gueule, là je rigole. Non, dans le respect bien sûr, c'est un sport. Mais voilà, il va se rappeler de moi pendant quelques jours et voilà, bonne expérience. Je pense que lui, hein, il m'a dit qu'il avait aimé le combat. Je suis même pas sûr s'il était sûr et certain de gagner. Je pense quand même parce que le clinch il m'a fait tomber beaucoup de fois, mais tout le monde me dit que c'était serré, faut que je voie la vidéo, j'ai pas de recul là tout de suite. Bon, en tout cas, on te laisse prendre un peu de recul par rapport à ça et puis on va te retrouver très bientôt. Ouais, face à un taille encore plus fort. Yes. Il va falloir clincher. Merci beaucoup. En tout cas, bon entraînement. Big up à Muay Thai TV. Merci.